Voici Bruxelles avec ses quelques 300 âmes, sa bière, son clocher et son café. Un territoire entre la France et la Belgique est stupeur en ce jour de la Toussaint. Des chrysanthèmes ont été posées devant la stèle du célèbre mannequin Peace. On l'a déplacé, il est devant la mairie maintenant. Il n'est pas mort? Non, il n'est pas mort, non. Car oui, il y a bien un mannequin Peace à Bruxelles. Attention, c'est en France. Il pisse bien? Oui, très bien. Pour l'avoir vu, il a un très beau jet. Ah non, désolé madame, il ne fonctionne pas. 30 ans après avoir été offert par Bruxelles, le voici tout nouveau en résine, apporté en juin dernier par l'ordre des amis de Mannequin Peace. Vous l'avez déjà vu faire pipi? Non. Non. Bah, le jour de l'inauguration. Il fait, je vous assure. Je ne l'ai jamais vu en fonctionnement. Il fait pipi? Je pense. Le soir? Seulement? Ah oui, le soir simplement. Il est timide. Le mannequin de piste, logiquement, c'est ça. En ce jour férié, un urologue est spécialement dépêché en la personne de monsieur le maire. Dans le village, selon lui, ce serait une attraction, comme à Bruxelles. Ah, il n'y en a pas autant aussi, mais il y a énormément de Belges qui passent sur Bruxelles. Il y en a qui... Les Belges viennent le voir quand même. Mais c'est aussi l'idée de mannequin de piste. Il est très... Et tout le monde l'aime bien, donc... Mais c'est une drôle, c'est amusant. Ce n'est pas plus, hein. C'est la morale de cette histoire française vue par un Belge, en tout cas avec les frimas de l'hiver, pas sûr qu'il continue à arroser les touristes.